Ok, bon bah écoutez, je vois que les gens sont super super chauds en tout cas. Donc je pense qu'on va commencer dès maintenant. Alors pour ceux qui nous rejoignent, qui ne connaissent pas le Sociolab Club, alors en fait c'est le quatrième webinaire qu'on fait aujourd'hui. Et le Sociolab Club, alors c'est la première école qui forme aux réseaux sociaux. Et moi je suis la fondatrice, du coup je m'appelle Maud Alavès. Et aujourd'hui, en fait, on va parler avec Inès Sivignon. Donc, je vais te laisser te présenter, Inès, hein, plus précisément après. Mais on va parler de l'art du storytelling. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Inès, en fait, elle est ultra forte. Je ne sais pas si vous êtes allé regarder, mais elle fait des posts sur LinkedIn qui font des 300 likes à chaque fois. Moi, franchement, je suis hyper admirative de ce que tu fais. Et surtout, ce qui est ouf, c'est qu'à chaque fois, on rentre dans tes posts. Enfin, c'est magique, quoi, la manière que tu as d'écrire. Du coup, bah, vas-y, je te laisse te présenter. Dis-nous un peu plus. Quel est ton parcours? Qu'est-ce que tu fais? D'où tu viens? Déjà, bah, merci beaucoup pour les compliments. Je crois que tu m'as survendu là. Maintenant, j'ai l'impression. Merci. Mais sinon, pour me présenter rapidement, bah, Inès Sivignon, j'ai 24 ans, donc je suis toute jeune encore. Et pour le parcours rapidement, j'ai fait une licence de lettres et après, j'ai enchaîné avec un master de lettres appliquées à la rédaction professionnelle, où là, on a vraiment appris bah, la rédaction web. À la fin de ce master, j'ai fait un stage en tant que rédactrice web au sein d'une agence de communication digitale à Lyon, où j'ai donc Ouais. appris à bah, respecter un brief, gérer des missions qui sont parfois très différentes. J'ai aussi fait un peu de community management. OK. Mais j'ai aussi et surtout découvert le salariat. Et ça, non, c'est mort. Il y a plein de trucs avec lesquels j'adhère pas forcément. Les horaires imposés, les collègues imposés aussi, qu'on voit parfois plus que sa propre famille. Au niveau de la rédaction, dès que je proposais un texte, il était relu, corrigé des dizaines de fois avant d'être présenté au client. Et du coup, on ne peut pas vraiment défendre ses idées, ce qui est un peu dommage. Donc, dès la fin de mes études, je me suis lancée en freelance. Et Ouais. maintenant, je suis rédactrice web freelance et j'aide les marques à bah, attirer du trafic sur leur site et aussi à asseoir leur crédibilité grâce au marketing de contenu. Ok, trop bien. Et en fait, du coup, tu t'es lancé quand dans le freelance? Et bah, c'était il y a un an et demi, puisque c'était en juillet 2019. Ah ouais, c'est Voilà. hyper récent. Ouais, Et ouais, alors, en fait, tu as commencé sur LinkedIn à quel moment, à ce moment-là? Ou alors, enfin, comment ça s'est passé? ouais. En fait, pendant que j'étais dans mon stage dans l'agence de communication à Lyon, on a eu une formation sur 2 jours avec un formateur qui nous a appris à utiliser LinkedIn, donc ce qui est optimisation de profil, stratégie de rédaction de contenu et Ouais. stratégie pour développer son réseau en soi. Et c'est vrai que Ouais. c'était hyper intéressant, hyper prenant. Moi, j'y connaissais rien du tout. Pour tout dire, j'avais un compte LinkedIn parce qu'un professeur m'avait dit de m'y inscrire, mais j'avais rien optimisé, je publiais rien. J'avais 20 contacts, c'était 3-4 personnes de ma famille et 2-3 potes. Ouais. Vraiment nul. Je savais même pas quoi faire sur LinkedIn. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, des fois, j'ai des journées pas très chargées. Donc, je vais appliquer à la lettre comme une très très bonne élève tout ce qu'on a appris pendant la formation. Et c'est vrai que ça a Ok. commencé à décoller. Voilà. Et alors attends, donc en fait tu t'es lancé voilà pendant que tu étais en stage, tu as commencé à faire des posts et puis juste après du coup tu t'es lancé en freelance. Ouais, c'est ça, directement. Et depuis en fait tu t'as réussi à trouver des clients, enfin tu avais aucun souci, LinkedIn ça t'a suffi ou alors tu as fait comment pour démarrer? Et ben en fait, dès que j'ai mis en place les astuces du formateur, j'ai commencé à avoir un réseau qui a grandi et à avoir des demandes de mission en tant que freelance, alors que j'étais même pas freelance finalement. Donc dès que je me suis lancée, j'avais déjà une petite hein, base de clients. Et bah, ça a fait qu'accroître au fil des mois. Et maintenant, LinkedIn, ça m'apporte 80% de mes clients. Et c'est ma première source ouais, de mission, de clients. Après, il y a aussi un peu mon site web et un peu le bouche à oreille, forcément. Mais c'est vrai que c'est LinkedIn qui m'apporte la majeure partie de mes clients. Ouais, puis à force, tu te fais un réseau, tu te construis, et puis du coup, ouais, il y a le bouche à oreille au fur et à mesure, mais c'est énorme quand même de se dire que tu as réussi à avoir bah, au début tous tes clients, tout ton carnet, surtout qu'en freelance, c'est hyper difficile de trouver du monde, et ça juste grâce à LinkedIn finalement. Bah oui. Moi-même, je suis surprise, mais je suis très contente. Ok, donc pour toi finalement, en fait, ce que LinkedIn ça t'apporte, c'est purement et simplement bah, des clients ou alors est-ce qu'il y a autre chose que tu cherches avec LinkedIn? Bah alors.
Au début, forcément, c'était pour les clients. Mais maintenant, c'est vrai qu'on fait aussi beaucoup de rencontres, bah, comme toi, par exemple, pour ce webinaire. Ouais. Je rencontre des personnes avec lesquelles on collabore et j'ai rencontré bah, la team e-collègue, s'il y en a qui sont par là, qui se reconnaîtront. Aussi, l'agence Les Années Folles. Enfin, j'ai rencontré plein de personnes avec lesquelles je collabore maintenant, aujourd'hui. Donc, voilà. Ouais, ok, top. Je vais juste faire une petite aparté pour notre super public. Normalement, on va donner un petit temps à la fin aux questions, mais si jamais vous en avez pendant le live, bah, je vous invite à les poser. Moi, je regarde toutes les questions qui vont passer et puis dès que j'en vois, j'essaierai de les poser. Comme ça sera peut-être un peu plus dynamique. Autre chose aussi, on s'est dit que ça pouvait être assez cool, parce que je l'ai fait la semaine dernière avec Kevin et on a trouvé ça assez sympa, de prendre un profil LinkedIn au hasard, donc bah, les volontaires, voilà, portez-vous volontaires quand même, et comme ça Inès, elle va pouvoir regarder en fait les posts que vous avez faits et donner des conseils. Je pense que ça peut être assez cool. Ah bah, du coup, on a déjà Philippe qui s'est proposé volontaire. Je vois, voilà. Ok, bah, le gars, va falloir se battre, va falloir revenir à la fin. Je vais vous proposer que vous allez être volontaire parce qu'on va prendre un ou deux, ça dépend du temps qu'on aura, mais je pense en tout cas pas plus, donc on relancera la demande à la fin. Autre petit disclaimer, mon wifi a tendance à bugger un petit peu, normalement tout va bien, mais il se peut que je freeze. Si c'est le cas, normalement je reviens dans les 2 secondes qui suivent, donc vous inquiétez pas. Voilà, c'était juste pour vous dire. Mais trop bien. Alors écoute, on va passer un petit peu au fond du sujet de ce webinaire, qui est le storytelling finalement. Est-ce que tu peux nous expliquer de manière assez simple qu'est-ce que c'est que le storytelling, pardon. Alors, pour faire simple, moi j'aime bien prendre l'exemple de l'histoire des Mille et une nuits avec Scheherazade. Ouais. C'est le meilleur exemple. Donc, pour recontextualiser, pour ceux qui auraient oublié ou loupé ce classique, en gros, c'est l'histoire d'un sultan qui a une déception amoureuse, pour faire rapide, et qui, du coup, se marie chaque jour avec une femme différente. Et lors de la nuit de noces, il la tue pour pas avoir de déception. Bon, le début n'est pas ouf au niveau bonne humeur, mais voilà. Et un jour, c'est Scheherazade qui est donc élue pour être la femme de ce sultan. Sauf que, évidemment, elle n'a pas envie de mourir. On est d'accord. Et du coup, lors de la nuit de noces, elle va lui raconter une histoire, mais elle ne va pas lui dire la fin. Et elle va lui dire, si tu veux connaître la suite, eh ben, faudra attendre demain et m'épargner pour ce soir. Et le sultan, il était tellement à fond dans cette histoire qu'il dit, ok, ça va pour ce soir, on va attendre demain. Et elle a fait ça toutes les nuits, pendant mille et une nuits. Et à la mille et unième nuit, il était tellement... En fait, il était tombé amoureux finalement de Scheherazade et du coup, bah, il est resté marié avec elle et ils eurent beaucoup d'enfants. Et c'est un peu ça. Déjà, c'est capter l'attention du lecteur. Ensuite, c'est garder cette attention en créant une sorte de jeu de suspense. Et ensuite, de le fidéliser comme finalement ce mariage. C'est-à-dire qu'il est tellement... il se retrouve dans cette histoire, il partage les valeurs de la marque. Il adore cette histoire qui va être fidèle à cette marque et cela va se traduire par des achats, des abonnements, des choses comme ça. Ok, donc si j'essaye en fait de redire dans mes mots ce que tu as dit pour être sûr d'avoir bien compris, c'est que finalement le storytelling c'est un peu utiliser le pouvoir de l'histoire pour vendre. C'est ça, c'est utiliser la narration et l'émotion pour remporter l'adhésion. J'aime bien parce que ça rime et ça reste bien en tête. Mais voilà, c'est ça. Mais du coup, pourquoi ça marche en fait, tu penses? Qu'est-ce qui se passe avec le storytelling qui fait qu'en effet ça vend? Alors, je pense qu'il y a deux choses. Déjà, c'est qu'il y a une abondance de publicité maintenant. On allume la télé, il y a une pub, on surfe sur internet, il y a des pubs, on ouvre sa boîte aux lettres, les pubs dans la rue, les affiches publicitaires. Il y a vraiment une abondance des publicités et un marché où il y a beaucoup, beaucoup de marques, de plus en plus de marques qui font de plus en plus de pubs. Donc, on retrouve avec cette masse de contenu et d'informations. Et de l'autre côté, on a le fait que les histoires, ça a toujours marché et ça a toujours plu. Quand on était petit, on adorait qu'on nous raconte des histoires avant d'aller se coucher. Donc voilà, moi, je sais que quand j'ai une amie qui me dit « Ah, je t'ai pas dit », je lui dis « Bah non, raconte-moi » J'adore les histoires. Et le fait que, justement, il y a d'un côté la publicité traditionnelle qui marche plus trop parce qu'on a peut-être un peu ce ras-le-bol et on a peut-être trop aussi de publicités qui se ressemblent. Avant, on faisait une page de vente, on mettait faire à lisser 2-3 caractéristiques, on avait des milliers de ventes. Maintenant, ça suffit plus. Il faut sophistiquer son approche et il faut se démarquer aussi de la masse. Et pour sophistiquer son approche et se démarquer, on utilise le storytelling qui plaît puisque c'est une histoire qu'on raconte et on ne cherche pas de front à nous vendre quelque chose. Ouais, et c'est plus honnête, tu veux dire, c'est plus authentique, les gens accrochent plus peut-être.
C'est ça, bah, y a ce côté, je cherche d'abord à échanger avec vous, à vous raconter quelque chose, au lieu de vous dire, bon, bah, d'emblée, regardez, je vends ça, tu le veux, oui ou non, et puis, basta, quoi. Ouais, ok. Et j'ai vu qu'en fait, il n'y a pas longtemps, finalement, tu avais lancé ton guide avec une méthode pour le storytelling. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, en fait? C'est quoi, comment tu fais, en fait, finalement, pour faire un super bon storytelling? C'est quoi la méthode, si on a une, pour nous aider à l'appliquer, à les codes? Ouais, t'as un peu frisé là. Ça a commencé. Non, mais c'est bon. Ouais, non, mais c'est un peu bugué, mais c'est bon, okay. J'ai trop de temps parmi nous. Du coup, je donne une méthode en 5 étapes pour créer un storytelling qui est authentique et qui est efficace. C'est surtout pour gagner en rapidité et finalement pas tomber dans les pièges de « je raconte une histoire, mais derrière, ça débouche pas forcément à ce côté « je me démarque, je remporte l'adhésion et je fidélise mon audience ». Donc, cette méthode en 5 étapes, je vais rapidement dire les 5 étapes, comme ça, un peu de teasing. Ouais. La première étape, c'est déjà bien connaître son audience. Parce que quand on rédige toujours pour quelqu'un. On rédige pas pour soi. Ouais. Le storytelling, comme j'ai dit, c'est quand même une stratégie marketing. Donc, il y a une notion de vente derrière. Donc, il faut connaître sa cible pour justement raconter une histoire qui lui parle et à laquelle elle s'identifie. Ensuite, la deuxième étape, c'est de définir des objectifs. Si on fait du storytelling, si on publie sur les réseaux sociaux, c'est qu'on a un objectif derrière et il faut bien l'identifier pour être sûr que le storytelling remplisse cet objectif. Ouais. La troisième étape, c'est définir une ligne édito, donc son style, sa patte, cette manière d'écrire qui va nous différencier finalement des autres. La quatrième étape, c'est trouver les personnages de son histoire. Alors, ça peut être nous-mêmes, la marque, ou ça peut être les clients, justement, ou l'histoire de quelqu'un qui nous parle. Et cinquième étape, c'est le schéma narratif, puisque, comme je disais, le storytelling, c'est quand même fortement inspiré de la littérature. Donc, on suit le schéma narratif un peu classique. Donc, c'est situation initiale, événement perturbateur, péripétie et situation finale. Et pour assembler ces différentes étapes, je vous laisse acheter le livre. Ok. Voilà, un temps pour vous. Déjà, j'ai plein de questions. Déjà, je veux dire, j'étais hyper frustrée de ne pas pouvoir prendre des notes là, de ce que tu disais, parce que j'ai envie de faire que ça. Mais non, ma première question, c'est, tu parles d'un style, tu vois, de définir une patte. Et comment tu ferais ça? Enfin, c'est quoi un peu les styles différents qui existent, ou comment tu fais pour le définir, en fait? Alors, c'est vrai que moi, je ne me suis jamais posé la question pour moi. Toujours écrit, même quand j'étais en cours, j'avais déjà un style très oral. J'aimais bien faire un peu d'humour puisque j'étais dans une classe de littéraire, très, très littéraire. Et comme ça, mes textes se démarquaient des autres. Et mes profs, ils étaient toujours au bout du rouleau, hein, faut le dire. Hein, quand ils lisaient mes textes, ils disaient, mon Dieu, elle a récidivé. Mais voilà. Après, si je pouvais donner des conseils pour trouver son style et sa patte quand on n'en a pas forcément une innée, entre guillemets, déjà, c'est d'écrire comme on a envie d'écrire. Parce que souvent, on va regarder quelqu'un qui marche bien sur les réseaux sociaux ou qui écrit des bons articles, ça fonctionne bien, et on va vouloir s'en inspirer parce que justement, on se dit, bon, c'est ça qui marche, je vais faire comme ça. Ça, c'est pas bon déjà. On ne s'inspire pas des autres. On peut s'inspirer, on dire j'aime bien, mais il faut vraiment écrire comme on a envie d'écrire et comme quelque chose qui nous ressemble, nous. Ensuite, je pense qu'il faut définir ses valeurs aussi. Les valeurs, ça peut être je suis engagée en faveur de l'écologie, moi j'aime la positivité, moi je suis plutôt quelqu'un qui est provocant. Et il faut que ces valeurs-là se retrouvent dans les écrits qu'on propose. Et troisième et dernier petit conseil, ça serait de s'entraîner. Plus on va écrire, plus ça va nous venir naturellement et plus on va trouver notre style finalement. Ouais, tu penses qu'il faut faire des tests un peu et se dire bon, j'essaye un truc, je vois si ça marche pas et j'adapte après. C'est ça. De toute façon, on le voit si on est fier de ce qu'on a écrit et si on se retrouve, on retrouve nos valeurs dans le texte, c'est que c'est notre style, c'est que c'est notre patte et c'est que c'est tout bon. Ok, d'accord. Et tu parlais aussi de personnages, de caractères, mais. Tu vois, comment tu fais en fait pour appliquer ça, parce que en fait, quand t'écris un post sur LinkedIn, en plus si c'est toi personnellement, le personnage c'est toi du coup, ou alors tu penses que tu peux inventer des personnages, enfin comment ça se, tu vois, dans la pratique, ça veut dire quoi?
Alors, le mieux, c'est que l'histoire soit vraie et authentique. Donc, ça peut être une Ouais. histoire qu'on a vécue. Et donc, là, le personnage, ça sera nous. Mais ça peut être aussi l'histoire d'un de nos clients. Par exemple, si on veut faire de la preuve sociale, on va dire, je parle, admettons, pour ma formation. Je vais prendre un étudiant de ma formation et je vais lui dire, bon, alors, comment t'as vécu? Je vais lui poser quelques questions. Il va me raconter un peu ce qu'il a vécu et je vais pouvoir le partager, sur mes différentes, plateformes et notamment sur mes différentes plateformes et notamment sur LinkedIn. Donc là, le personnage, ça sera mon étudiant ou mon étudiante. Ok, ouais, d'accord, ouais, je comprends. Et tu parlais aussi de d'émotions en fait tout à l'heure. Tu disais que finalement, storytelling, ça servait à ça. Est-ce que t'as pas des tips ou pour nous aider à comprendre en fait comment faire vraiment pour donner de l'émotion dans un texte? Tu vois concrètement, ça se matérialise comment ça? Alors, bah, comme je disais, c'est le cœur même du storytelling, de transmettre de l'émotion. Donc, Ouais. toutes les 5 étapes que j'ai citées précédemment, notamment celle sur la cible, c'est primordial d'impliquer finalement le lecteur, notre cible, dans notre storytelling, puisque si on connaît ses peurs, ses besoins, forcément on saura créer de l'émotion chez lui, on saura l'émouvoir. Donc ça, c'est primordial. Ensuite, je pense qu'il faut jouer sur les 5 sens, parce que le problème quand on rédige, c'est qu'on sent pas, on n'a pas de goût, on n'entend pas. Et ça, le problème, c'est qu'il faut les retranscrire, puisque les sens, c'est ce qui procure des émotions finalement. Donc Ah, utiliser des verbes liés à ça. Par exemple, on peut commencer un post en disant ou alors la dernière fois, en train de boire mon chocolat chaud dont la douce odeur me chatouillait les narines, enfin quelque chose comme ça, sans rentrer dans la littérature pure et dure, mais insérer des petits éléments qui parlent au sens finalement, pour vraiment créer un univers autour de notre histoire. Et la dernière chose peut-être, mais ça c'est spécifique aux réseaux sociaux, c'est que quand on va faire un storytelling par exemple en vidéo, il va avoir la musique qui va créer l'émotion autour de nous. Sur les réseaux sociaux, je pense que utiliser les emojis, c'est primordial pour accentuer justement les émotions, la tristesse, l'humour, l'ironie, qui passera forcément mieux avec un petit smiley qu'écrit noir sur blanc sur un post. Donc je pense que sur les réseaux sociaux, les emojis jouent dans la création d'émotions. Ouais, du coup, en fait, finalement, c'est essayer de recréer un contexte, quoi. En fait, c'est un peu. Bah, tu sais, si je comprends bien, quand tu dis je raconte une histoire, en fait, ouais, tu essayes de recréer l'univers pour que les gens puissent vraiment se projeter dedans, quoi. Donc, il faut donner un maximum de détails sur l'environnement, sur ce qui se passe, sur les. Ouais, en effet, sur les 5 sens, les odeurs, qu'est-ce qu'il y a pour que les gens puissent se projeter et en fait rentrer dedans, c'est ça? Ouais, c'est tout à fait ça. Après, faut pas non plus en abuser. Comme je dis, c'est pas de la grande Ouais. littérature. On va pas faire des pages de description de l'environnement. Mais si on peut mettre 2, 3 mots qui rappellent justement ces 5 sens, c'est vraiment top. Ouais, parce que du coup, si t'abuses trop, alors ça serait quoi la limite en fait, du coup? Genre, c'est Ouais. comme les emojis, je sais qu'il faut pas en utiliser trop, ou alors il y a des emojis qu'il faudrait pas utiliser. Est-ce que toi, t'as vu des choses qui à pas faire? Bah alors. Pour revenir sur la première question, oui, évidemment, c'est mettre 2, 3 mots de temps en temps sur un post, notamment LinkedIn, où on est quand même limité en nombre de caractères. Faut quand même qu'il y ait une information derrière et une morale à cette histoire. Faut pas que ce soit juste de la description. J'étais dans ma chambre, j'ai les murs blancs, mon siège est en osier. Enfin, voilà, on s'en fiche un peu. Faut que ce soit des détails qui vraiment apportent quelque chose à l'histoire et qui mettent dans une ambiance. Pareil pour les emojis, on va pas en mettre une à chaque ligne. Parce qu'il y en a beaucoup qui font ça sur LinkedIn. Ils commencent chaque Ouais. phrase par un emoji. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Il faut en mettre de temps en temps quand c'est bien choisi pour appuyer une émotion, mais pas pour annoncer chaque début de phrase. C'est pas une majuscule, l'emoji. C'est pas possible. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Écoute, on a une question de Elena qui demande, est-ce que tu penses qu'il faut à chaque fois suivre une structure de publication pour obtenir l'effet souhaité? Elle dit phrase d'accroche, suspense. Moi, je pense que oui. Après, je suis pas experte au LinkedIn, mais oui, je pense que c'est bien et c'est ce qui marche de toute façon. Non, je suis pas experte. J'ai pas fait d'études LinkedIn. Admirable, tout à fait admirable. mais c'est oui, c'est ce qui marche sur LinkedIn. Bah, pour être très rapide sur le sujet, c'est effectivement phrase d'accroche qui intrigue un peu et qui donne envie de lire la suite. Ensuite, on peut commencer par parler un peu d'une petite anecdote justement pour rentrer dans ce côté storytelling, la dernière fois, nanana, l'événement perturbateur. Comme j'avais fait pour mon poste, j'avais mis avant, j'avais peur de prendre la parole en public. Ensuite, Maud est apparue dans ma vie et m'a proposé ce webinaire. Ensuite, les Ouais. péripéties, je me suis préparée, j'ai stressé, j'ai eu peur, mais je l'ai fait. Et à la fin, la situation finale, bah, c'est retrouvez-nous ce mercredi 13h30. En direct pour le webinaire. Voilà un peu la structure qui fonctionne bien.
On a aussi Mehdi qui demande, moi je me sens à l'aise à l'idée de tutoyer les gens parce que j'ai l'impression que vous voyez d'une certaine distance avec les lecteurs. C'est quoi ton avis? Alors, il y a deux écoles, hein, c'est sûr. Moi, j'ai tendance à vous voyez sur mes posts, non pas parce que je vous vois chaque personne, mais parce que je parle à la masse finalement. Enfin, la masse, c'est un peu à la masse. Mais je parle à plusieurs personnes, donc j'emploie le mot de généralité. Et après, c'est vrai que dans les commentaires, j'ai tendance à répondre vous quand on commence le message par vous et à répondre tu quand le message est déjà au tutoiement. Voilà. Mais je sais qu'il y en a bien qui aiment beaucoup le tutoiement, mais le problème. Le problème, c'est qu'il y en a aussi beaucoup qui n'aiment pas qu'on les tutoie d'emblée. Donc, alors que vous voyez d'entrée, ça n'a jamais dérangé personne. Donc, je préfère vous voyez et choquer personne et à la limite, la personne décide de passer elle-même au tutoiement que de commencer au tutoiement et peut-être de brusquer certaines personnes qui n'aiment pas qu'on les tutoie d'emblée. Ouais, je pense que ça dépend aussi de l'univers dans lequel on évolue. Par exemple, dans l'entrepreneuriat, je sais qu'on tutoie beaucoup et que ça choque personne et que c'est plutôt l'inverse. En fait, si on vous voit, les personnes vont se dire, bon, lui, il n'est pas dans le milieu. Donc, on en revient finalement à ce que tu disais au début, qui est, bah, ça dépend de ton audience. Ouais. Je crois que la conclusion, c'est ça. Je me demandais aussi, est-ce que tu as des outils ou des ressources en fait, que tu vas chercher pour, ou tu utilises en fait, pour t'aider à créer un storytelling ou à créer tes posts, tu vois? Ou à écrire un texte, en fait, finalement, juste. Ouais, alors non, j'ai pas vraiment d'outils. Alors, j'ai des outils pour trouver des idées, mais pour rédiger de manière pure et dure, non, j'utilise mon petit Word classique que j'ouvre et je tape dessus. Après, j'utilise des outils pour la relecture-correction parce qu'il me semble que l'orthographe et le français, c'est vraiment indispensable pour... garder une crédibilité finalement, notamment quand on est sur des réseaux professionnels comme LinkedIn. Donc, j'utilise Spellboy, Scrivens et Reverse Corrector. Il y a aussi Antidote, mais c'est un logiciel qui est payant. Donc, voilà. Ok, d'accord, super. Mais ça tombe très bien là justement que tu parles un peu plus de toi et ta stratégie sur LinkedIn parce que j'aimerais bien qu'on passe un petit peu à ça et que tu me donnes un peu des conseils aussi, des tips, tu vois, sur comment toi finalement tu t'en sors sur ton LinkedIn parce que tu es quand même passé de... 200 abonnés à 20 000, tu vois, en un an. Et tu as créé tous tes clients comme ça, tu fais 300 likes, enfin, je trouve ça super et je pense qu'il y a plein de gens que ça pourrait intéresser. Du coup, je me demandais, bah, tu vois, tu parlais justement d'idées de poste. Comment tu fais pour trouver tes idées de poste régulièrement? Comment tu fais en fait pour trouver des idées? Alors, j'utilise des outils, justement. Il y a Answer the Public, je ne sais pas si vous connaissez. Je parle au chat. Oui, à tout le monde. En fait, on met un mot-clé et on a toutes les questions qui reviennent le plus sur les moteurs de recherche. Donc ça, c'est vraiment top pour avoir plein d'idées de contenu, des questions que les gens se posent le plus souvent, finalement. Ensuite, il y a Google Alert. Là, pareil, on met un mot-clé. Donc, par exemple, moi, je mets rédaction pour rédactrice web. Et on a toutes les actualités tous les matins sur ce sujet-là. Donc, on peut voir un peu des actualités chaudes pour les repartager ensuite sur les réseaux sociaux. Et la troisième chose, c'est d'écouter son audience finalement. Dès que j'ai une question sous un post ou une question en message privé, j'essaie déjà de répondre à la personne et ensuite de reprendre cette interrogation pour créer un prochain post par la suite. Ouais, ok, donc du coup, ça te donne des... Ouais, c'est pas mal, ça. En plus, j'avais déjà entendu ça dans les réseaux sociaux, finalement. C'est un peu du community management. C'est un moyen d'engager avec son audience, de la faire grandir et puis vraiment de communiquer avec elle. Donc, c'est une bonne idée, je trouve, là, pour trouver des idées, ça, de se baser un peu sur les questions que les gens, ils ont. Et je sais que... Tu en avais demandé aussi à Kevin, à Dimitri et à Anna comment ils faisaient pour stocker les idées. Il y en a beaucoup qui utilisent en fait Notion où ils mettent un peu les idées dès qu'ils en ont. Est-ce que toi tu fais ça aussi ou pas du tout? Alors, j'utilise Notion aussi, mais pas pour pas pour la même chose. Mes idées, je les note sur Trello personnellement. Ouais, okay. Mais Notion, ça marche aussi. Hein. C'est très bien aussi. Ouais, mais je veux dire, en fait, du coup, tu stockes tes idées quelque part et puis comme ça, tu y reviens plus tard. Ou alors, en fait, tu as tendance à te planter devant ton ordi le matin et te dire, bon, là, j'écris un post, comment tu comprends, quoi? Ah non, moi, je suis la reine de l'organisation. Mélanie pourra en témoigner. J'ai des plannings pour tout et n'importe quoi, même des plannings pour manger la semaine chez moi. Donc, vraiment, des plannings pour tout. Et non, les idées, je les note toutes sur comment on appelle ça, une carte très loin, il me semble que c'est des cartes. Et après, je les répartis sur mes différents postes de la semaine, du mois,
puisque je fais des plannings pour 3 mois à l'avance, hein, sur Ah LinkedIn. ouais. Ah, mais moi, je suis au Ah taquet, ouais. hein. Donc voilà, et je les place, et après, donc, je les publie le jour même, mais ils sont déjà rédigés, planifiés et tout ce qui s'en suit. Pardon, heureusement que j'ai fait mon disclaimer et que je vous ai prévenu Ouais. avec le Wi-Fi et SFR. Franchement, je vous le déconseille de vous inscrire à SFR. C'est vraiment l'enfer et de temps en temps comme ça bug. Mais voilà, je suis là. Du coup, j'imagine que tu avais fait une petite aparté sur ton guide. Oui, bah, j'ai répondu aux questions et donc oui, j'ai aussi glissé l'instant promo guide pour pour le Bah, moment. t'as bien fait. T'as bien fait. Mais on en était à parler en fait des idées de poste et puis du coup que tu mettais tout ça. Voilà. Alors je me rappelle, moi je me suis arrêtée aux 3 mois de planning. Ouais, C'est ça. bah voilà. Je fais 3 mois de planning, vraiment avec donc 3 posts par semaine, tout bien écrit, rédigé, corrigé. Donc là, Et... tu sais déjà ce que tu vas faire dans 3 mois, en fait. Enfin, tu sais déjà ce que tu vas poster dans 3 mois. Ouais. Ah, je trouve ça dingue quand même. Ah, non, non, ça c'est vachement bien. Ok, et là en ce moment, tu postes à quelle fréquence? Là, je poste 3 fois par semaine, donc le mardi, mercredi et jeudi. Les horaires, ça varie un petit peu, mais généralement, c'est soit 9h30, soit 11h30, soit 17h30. Voilà. Ouais, parce que tu as remarqué que c'était des horaires qui marchaient bien ou enfin, en fonction de l'algorithme. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as compris de l'algorithme LinkedIn? Alors Parlons-en. là, l'algorithme, je ne sais pas, mais les grands gourous de LinkedIn préconisent de publier le mardi, mercredi, jeudi. Et ils l'expliquent en fait parce que LinkedIn, c'est un réseau social professionnel. Et donc, ils se calquent un peu sur les horaires de travail et les jours de travail des professionnels. Donc, le week-end, on oublie. Le lundi, on sort du week-end, on a encore un peu la tête ailleurs, on a du mal à se projeter dans le travail. Donc, c'est pour ça qu'on devrait oublier. Et le vendredi, pareil, on a déjà la tête dans le week-end. Donc, c'est pas ouf non plus. Et pour les horaires, ça serait plutôt bah, le matin, quand ils sont dans le bus pour aller au boulot, et quand ils viennent juste d'arriver, ils ouvrent leur ordi, ils regardent un peu l'actualité. Donc, c'est entre 7h et 9h, on va dire, même plus 8h, 9h. Après, c'est entre midi et 14h, donc la pause déj. Et après, ça serait 17h30, 19h30, quand on commence un peu à décrocher du boulot et quand on Ouais. termine à prendre le bus pour entrer. Voilà. Ok, super. Et est-ce que tu as des petits tips en fait pour booster l'engagement sur les posts? Parce que moi, si j'ai bien compris, finalement, surtout aujourd'hui, c'est l'interaction sur LinkedIn qui fonctionne le plus. Donc le fait d'avoir des commentaires, tu vois, et des likes. Comment tu fais toi pour pousser les gens à commenter ou à liker ton contenu finalement? Alors, pour les pousser à réagir, j'ai pas de baguette magique. Je leur mets pas le couteau sous la gorge, likez ou je vous donne plus de contenu, c'est fini. Non, je pense que réagir, c'est assez aléatoire. Par contre, pour inciter aux commentaires, bah, c'est bien de mettre toujours une petite question à la fin en disant, et vous, qu'est-ce que vous faites pour ça? Et vous, que pensez-vous de cette méthode? La connaissiez-vous? Des choses comme ça pour inciter aux réactions. Après, pour booster la visibilité d'un post, bah, c'est bien de mettre des hashtags. Pareil, on reste soft, 3, 4, pas 150 000 sur chaque mot. En plus, ça divise la portée du post, donc c'est pas du tout, c'est contre-productif finalement. On essaye aussi de taguer des personnes quand c'est nécessaire. Parce que je ne sais pas si. Ah, je sais pas si je peux le dire. Ah, vas-y, dis-le. Bah, tu peux pas dire à ton garder. Maintenant, je il faut le dire. y a des personnes sur LinkedIn qui adorent me taguer avec 20 autres personnes sur des posts qui n'ont rien à voir avec mon domaine d'expertise, me Ah parlent de ouais. trucs. En fait, je m'en fiche un peu, pour être clair. Avec 20 autres personnes, ça fait vraiment, je gratte la visibilité un max. Moi, je réponds même plus, ça me fatigue. Et en fait, ça décrédibilise un peu parce que si un jour je vais voir le post de cette personne dans mon fil d'actu et qui peut être très intéressant pour le coup, je vais me dire, oh non, c'est encore la personne qui tague. 30-40 personnes sous ces posts et je zappe. Donc là, on tag quand c'est nécessaire, quand on rebondit sur un discours qu'on avait eu ou on montre le travail de quelqu'un, mais on ne tag pas pour taguer et avoir de la visibilité, ça c'est non. Donc Ouais, je suis complètement c'est d'accord. C'est drôle, mais j'ai vu un post sur LinkedIn il n'y a pas longtemps. Je pense que c'était Théo Lyon qui l'avait fait, où il faisait un récap en fait de toutes les bonnes pratiques. Et il disait qu'au passage, taguer Grégoire Gambato sur son post, c'était toujours un bon hack. Et je pense en fait que c'est pour ça que les gens ils le font aussi, c'est que ça permet d'accentuer la visibilité. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est comme tout, faut pas en abuser. ça. J'ai vu une question de Elena qui demandait combien de temps par poste tu... Enfin, en fait, combien de temps tu passais à rédiger un poste en moyenne?
Combien de temps de travail ça te demande, quoi? Bah, à partir du moment où j'ai déjà noté les idées, ça dépend. Ça dépend, je dirais un quart d'heure par poste. Tant que je l'écrive, que je relise et que je vérifie que ça dépasse pas le nombre de caractères sur LinkedIn. Voilà, à peu près un quart d'heure. C'est super rapide quand même. Tu mets un quart d'heure à rédiger un poste, à trouver l'idée et puis à le rédiger. Alors non, l'idée, du coup, je l'ai déjà trouvée avant. Oula, du coup, mais ouais. Je l'ai déjà trouvée avant. Et après, donc là, c'est déjà du temps de recherche. Après, la rédaction pure et dure, c'est à peu près un quart d'heure parce qu'en général, je connais un peu le sujet. Et je suis rédactrice, d'habitude, ça va vite. Et voilà, mais je pense que en vrai, une demi-heure par poste, c'est bien. Après, passer une heure, ça commence à faire un peu beaucoup sur chaque poste. Ouais, je comprends. Après, je pense que en effet, c'est comme tu disais, c'est que bah, t'es rédactrice, donc tu connais, t'as une facilité pour ça. Et les gens comme nous, finalement, on met plus de temps, on galère, quoi. Mais c'est normal, moi aussi, des fois, je passe. Quand je dois faire des modifs sur mon site, par exemple, je passe une heure à comprendre ou cliquer comment faire. Donc, forcément, si ce n'est pas le métier, c'est plus long et c'est normal. Je vous rassure. Ouais. Moi, j'ai une dernière petite question sur LinkedIn. Après, je pense qu'on va commencer à regarder pour les volontaires pour qu'on regarde vos profils et puis qu'Inès donne des conseils. Donc, je relance la demande. Si vous voulez qu'on vous choisisse, c'est maintenant qu'il faut mettre vos profils. Le plus simple, voilà, c'est que vous fassiez exactement comme tout le monde, là, que vous mettiez votre lien LinkedIn, comme ça on aura juste à cliquer dessus. Moi, j'ai une petite dernière question que je t'ai déjà un peu demandé tout à l'heure, mais je pense que là, ça pourrait être plus précis. Finalement, est-ce que tu as repéré des choses qu'il fallait vraiment pas faire sur LinkedIn? Oui, voilà, comme je l'ai dit, pas 10 000 hashtags, pas 10 000 emojis, pas 10 000 personnes taguées. Il y a aussi quelque chose, alors j'ai pas vérifié, mais apparemment, c'est pas ouf de mettre un lien dans un post, puisque LinkedIn est une société qui a besoin de garder ses utilisateurs sur la plateforme le plus longtemps possible. Donc, elle pénaliserait un peu les posts qui ont un lien et qui renvoient vers l'extérieur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de posts avec des liens. Attention, il y a des petits hacks pour pouvoir les mettre sans être pénalisé. Soit on le met dans le premier commentaire sous le post. Là, il y a quand même un risque, c'est que si l'objectif du lien, c'est d'avoir du trafic et de récolter des abonnements, le problème, c'est que les gens ne vont pas forcément avoir la motivation d'aller chercher le commentaire dans les commentaires et du coup, on va peut-être perdre un peu de trafic. L'autre astuce que moi, j'utilise personnellement, c'est de publier le post sans le lien et ensuite de retourner sur le post, de cliquer sur les trois petits points qui sont en haut à droite et de cliquer sur modifier, et là, à ce moment-là, de mettre le lien et de valider. En fait, LinkedIn va automatiquement générer un lien qui commencera par linked, quelque chose comme ça, comme si c'était finalement un lien qui renvoie vers un contenu LinkedIn et ne pénalisera donc pas le post. Ah, ok, d'accord. Non, c'est smart, ça, de faire ça. Mais par contre, il y avait Kevin Duché qui nous disait la semaine dernière que de modifier un post, c'était pas top pour l'algorithme, donc je pense qu'en fait, il n'y a pas de solution parfaite. Ouais. Quoi. Je sais pas, en tout cas. Ouais. En tout cas, mes posts marchent bien quand je fais comme ça. Donc, je sais pas. Peut-être je suis quand même pénalisée, mais ça marche quand même bien. Mais ça marche quand même, donc tu t'en sors. Ok, alors je pense que je vais te demander un truc hyper difficile, mais il va falloir que tu choisisses parmi les comptes LinkedIn volontaires en fait, qui se sont proposés. Ouais. Que tu en prennes un pour regarder un peu les posts qu'il fait et puis lui donner des conseils. En plus, il y a tout le monde qui est en train de mettre... Ouais, pas à mettre la souris sur un lien. C'est incroyable. Arrêtez de commander qu'elle puisse cliquer quelque part. Le problème, c'est que j'ai peur de cliquer. Alors, ça y est, j'ai cliqué sur un lien. Attends, je vais partager mon écran. Ça sera peut-être plus simple. Alors, ça, c'est un grand moment aussi. Partager l'écran. Est-ce que ça fonctionne? Alors, attends, ça réfléchit. Moi, je ne le vois pas pour l'instant. C'est bon? Oula. Je pense que c'est... Ça a l'air de bugger. Ouais, c'est normal. Non, c'est un peu inception, mais voilà, c'est normal. Bon, j'ai cliqué sur Mehdi, ne nous déçois pas. Allons voir tes posts. Ok, donc c'est du contenu vidéo. C'est top. Même j'ai l'impression que c'est déjà pas trop mal, hein. Marc, on parle de la société comme si c'était un truc temporaire. Ça, c'est hyper bien. Du coup, je donne des tips. Je ne sais pas si on voit, c'est bon l'écran? Ouais, on voyait bien, ouais.
Ouais, enfin, là, t'es retournée dans l'Inception, ouais. Mais sinon, avant, on voyait bien. Ouais, c'est bon. Ça, c'est top de commencer un post par une question qui intrigue un peu et qui est volontairement un peu provocante. On le voit ici, Marc, on parle de ta société comme si c'était un truc temporaire. C'est volontairement un peu provocant. Et ça, c'est hyper bien de commencer par une question qui interroge. Une question qui interroge, c'est un peu le but de la question. mais voilà, parce que ça fait poser des questions à l'audience qui, elle, se posait pas forcément. Et elle va se dire, tiens, c'est vrai ça, pourquoi ci, pourquoi ça? Et ça va donner envie de lire la suite. Ensuite, c'est hyper bien de séparer son poste, de faire des petits paragraphes comme ça et pas faire un gros pavé. Parce que ça aussi, c'est imbuvable. On a l'impression de se prendre un livre en pleine poire. Et franchement, ça fait pas plaisir, ça donne pas envie. Donc là, d'aérer, c'est hyper top. Alors attends, faut que je lise un peu. Ok. Et en plus, c'est top parce que ça annonce bien le podcast. Enfin, le podcast, oui, c'est un podcast sans trop en dévoiler. Donc, ça fait un peu teasing. Franchement, non, là, c'est top. Franchement, j'ai rien à dire. Le post est vraiment top. Du coup, je peux peut-être en choisir un autre. Ouais, vas-y. Du coup, Mehdi... Là, c'était pour flatter ton ego, hein. Je crois. Je vais mettre le lien. Hop. Alors... Océane, tiens, allez, zouf. Touk, alors, post. Alors, ok. Déjà, petite info sur les partages, ça ne marche pas du tout. pour gagner en visibilité, le truc, c'est que si tu aimes bien un post, il vaut mieux que tu likes et que tu commentes. Ça apportera déjà de la visibilité au post sans avoir besoin de le repartager. Après, si c'est une vidéo ou un article, tu peux tout simplement écrire un petit texte dans le post en disant pourquoi tu as bien aimé ce contenu. Tu peux même rebondir et apporter des infos supplémentaires et mettre le lien ensuite en taguant bien forcément le créateur de contenu. Mais c'est vrai que les partages, c'est pas ouf ouf. Ça marche pas trop. Et ensuite, pour les contenus... ok, c'est pas mal, c'est court, hein. On est court. Alors attends, fais voir. Touk. Après, c'est pas trop mal aussi de commencer par la fin d'une aventure ou aujourd'hui j'ai grandi. C'est court, ça intrigue. On a envie de savoir ce que tu vas dire après. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ok, donc là on est dans le storytelling, hein. J'aime bien apprendre de nouvelles choses. Aujourd'hui, j'ai bien été servie. Elle nous raconte sa petite web conférence. Nanana. Alors là, il y a un petit problème que je remarque et qui est très fréquent dans le storytelling, c'est que oui, le storytelling, il faut parler de soi pour donner un contexte, pour raconter une histoire, mais il faut toujours que ça apporte aussi quelque chose à la cible. C'est ce que je disais, toujours bien parler à la cible. Et là, le petit problème que je pourrais noter, c'est qu'elle parle de sa web conférence très intéressante en tant que marque, entreprise, m'a permis d'élargir mes compétences et prendre note de plein de petites astuces. Ok, mais c'est quoi ces astuces? Qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que ça peut... quels sont ces conseils qui pourront peut-être aussi aider finalement tes lecteurs, tes auditeurs? Il faut vraiment que tu penses à eux, qu'est-ce que ça peut leur apporter? Parce que ici, c'est top, on a l'impression que tu as appris plein de trucs, mais nous, on n'apprend rien finalement. Et c'est un peu dommage puisque chaque poste doit apporter de la valeur aux personnes qui lisent le contenu. Et dernière chose, toujours comme je le disais tout à l'heure, terminer par une petite question qui pousse à l'interaction finalement. Voilà. Ouais, c'est super intéressant ce que tu viens de dire là sur la notion de valeur. Et c'est vrai que t'es pas la première personne à le dire. Et je pense que c'est vraiment, s'il y a une chose à retenir, c'est bien ça, c'est de se dire que en effet, il faut garder l'audience tout le temps en tête et toujours se demander pourquoi est-ce que cette personne lirait mon contenu et pourquoi en fait elle aurait envie d'interagir. Enfin, finalement, oui. Si je comprends bien, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Il faut vraiment que chaque poste apporte quelque chose, enfin de la valeur ajoutée finalement. C'est bien de partir de son histoire parce que voilà, c'est le storytelling, c'est raconter une histoire. Mais il faut que derrière il y ait une morale et qu'il y ait une incitation à l'action. Donc en répondant en commentaire, en likant, en s'abonnant, en achetant, que sais-je encore. Ouais, carrément. Écoute, Inès, je pense que je vais te laisser retourner à tes occupations et à ton travail, et ainsi que tout le monde. Je pense qu'on va s'arrêter avec le webinaire, en fait, maintenant. En tout cas, merci, franchement, c'était top. Moi, j'ai appris plein de choses, je sais pas vous, mais moi, j'ai trouvé ça vraiment super.
Je vous invite à ajouter Inès si vous ne l'avez pas encore fait. Ajoutez-la sur LinkedIn. N'hésitez pas à m'ajouter moi aussi. N'hésitez pas aussi à suivre en fait ce qu'on fait avec le Social Hack Club parce qu'on va continuer à faire des webinaires comme ça. Le prochain, alors c'est pas encore annoncé officiellement, mais je peux vous le dire, si vous ne le répétez pas, ça va être avec Arthur Aubeuf, qui est le CEO de Time for the Planet et qui fait à peu près des millions et des millions de vues sur LinkedIn avec, avec son projet pour l'environnement. Donc ça va être hyper, hyper cool. Voilà, on va lancer les inscriptions bientôt. Donc restez in touch et puis prenez le guide d'Inès sur le storytelling si ça vous intéresse, parce que je pense qu'il est vraiment lourd. Merci. Voilà, je vais vous laisser, on vous fait des bisous, ça va prendre peut-être 3 secondes un petit peu malaisantes, on va faire salut et puis ça va mettre du temps à se déconnecter, mais en tout cas, passez une bonne après-midi tout le monde et c'était trop chouette de vous avoir. J'avais dit hein, 3-4 secondes un peu malaisantes.